À la fin, quand on met en place une cellule de production, c'est pas fini, c'est juste le début. C'est un changement souvent de culture. On passe d'une culture davantage individualiste où moi je fais ma job puis je passe à l'autre puis c'est rendu son problème, à une culture de collaboration puis de travail en équipe. Salut David, je suis vraiment content aujourd'hui qu'on ait la chance de se parler. David de chez Préatech qui vient discuter d'un sujet super intéressant qu'on entend dans les usines, One Piece Flow, flux continu. On va essayer de tout démêler ça aujourd'hui. Fait que je vais laisser la chance à David de se présenter et présenter aussi l'organisation pour laquelle il travaille. Merci d'être là. Yes. Ben, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est David. Ben, bonjour, monsieur. Mon nom, c'est David. David Norbert, je travaille chez Créatech depuis près de 6 ans. J'ai une formation en génie industrielle. Je suis diplômé là, de l'UQTR. J'ai un DEC en génie industriel, un bac, une maîtrise. J'ai travaillé dans plein d'organisations là, variées. La PME, au début, dans le meuble davantage. Ensuite de ça, j'ai été dans la moyenne, grande entreprise. Pour me diriger vers Créatech là, près de 6 ans. Créatech, en fait, ce qu'on fait chez Créatech, on est quand même une firme de 275 employés environ, où est-ce qu'on a différentes unités d'affaires. Notre mission, là, c'est vraiment d'améliorer la performance de chez nos clients, là, que ce soit aussi bien point de vue technologie d'information, donc intégration des systèmes manufacturiers là, de la classe mondiale comme SAP, Oracle, Microsoft. Mais oui, on a aussi chez Créatech, là, parmi les 275 employés, on a une soixantaine d'employés qui sont davantage axés sur les processus. Puis ça, c'est l'équipe dans laquelle j'évolue. OK. Ça, c'est un mot aussi qu'on entend souvent, processus. Oui, c'est ça. C'est parce que, tu sais, c'est toujours les trois univers à conjuguer, c'est-à-dire les personnes, les processus et les technologies. S'il y en a un des trois qui fonctionne pas bien ou qui est mal intégré, c'est souvent voué à l'échec là, comme intégration. C'est pour ça que c'est là-dessus qu'on a le focus là, chez Créatech. Puis c'est pour ça que chez Créatech, on a beaucoup d'ingénieurs industriels comme moi ou même de gens de différents horizons. Donc, c'est un peu mon parcours, puis ce que je fais. Donc, ça fait 6 ans que je suis, ça fait quelques années que je suis chez Créatech. Je suis directeur, donc je travaille avec des équipes sur le terrain aussi, chez mes clients, moi-même. On forme chez mes clients, puis on regarde aussi, on challenge beaucoup, on met en place des nouveaux systèmes manufacturiers. Je te remercie beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui. Justement, t'en parlais de l'industrie manufacturière, le flux continu. On entend souvent parler de ça comme une stratégie. Qu'est-ce que tu en penses quand on dit la stratégie du flux continu? En fait, le flux continu, il faut que ça serve quelque chose de plus grand. On peut pas juste viser de mettre en place un flux continu sans que ça soit mis en contexte. Le flux continu, ça fait partie des 5 grands principes du Lean, si on veut. Le premier, c'est de définir la valeur. La première question qu'on doit se poser quand on repense un système manufacturier, c'est qu'est-ce qu'on veut créer pour le client? Que ce soit un produit, un service, c'est de bien le définir, de bien le comprendre. Ensuite, il faut comprendre les étapes qui seront nécessaires pour créer cette valeur-là chez le client, que ce soit les étapes de production, par exemple. Donc, toutes les étapes qu'on doit faire pour générer cette valeur-là. Puis en même temps, on va aussi cartographier, en faisant la cartographie de la chaîne de valeur, les systèmes qui sont requis pour ça. Et ensuite de ça, on doit se poser la question, comment on peut faire en sorte qu'on ait le flux le plus continu possible, c'est-à-dire un flux sans interruption, où ce que la valeur va s'ajouter d'étape en étape sans être interrompue par la mise en inventaire, par exemple, okay, ou un changement de secteur. Parce que je comprends, c'est qu'il y a une certaine hiérarchie. Pour définir la valeur, cartographier la chaîne de valeur, puis là, on arrive à créer un flux continu. Tu me dis qu'il y a d'autres étapes qu'il ne faut surtout pas négliger. Oui, en fait, les premières, quand on parle de flux continu, c'est-à-dire dans un contexte plus macro où est-ce qu'on va redesigner un système manufacturier, on se pose la question, OK, comment on peut faire pour faire un flux continu? Le flux continu, ce qu'il va faire, c'est que ça va réduire le temps entre payer nos fournisseurs puis recevoir l'argent de nos clients. C'est ce que Henry Ford a fait là, plusieurs années là, dans son système, puis c'est pour ça que c'était si performant que ça. Mais le flux continu, c'est ça que ça vise. Ça vise à réduire le temps que la chose va passer sur notre plancher.
Bien, pour créer un flux continu, la première chose qu'on doit faire, c'est se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par flux? Hein? Il y a trois types de flux. Tu as le flux d'information, tu as le flux des humains, puis tu as le flux de la matière. Donc là, on doit toujours gérer ces flux-là. Puis le flux de la matière, s'assurer qu'il rencontre le moins de résistance possible pour passer à travers le système. OK. Donc, qu'est-ce qu'on entend par résistance? Bien, la résistance, c'est lorsque la chose, parce que lorsqu'on a déterminé notre valeur, on a déterminé que c'était un bidule qu'on voulait fabriquer, mais ce bidule-là ne s'arrête pas, mais plutôt continue. Donc, on veut pas générer de l'inventaire dans notre système le moins possible. OK. Fait que là, de ce que je vois, c'est ça a des avantages au niveau de la diminution des gaspillages. Qu'est-ce que tu penses qui sont les trois gaspillages les plus importants ou est-ce que quelqu'un devrait commencer avec la hache pour aider à l'implantation d'un flux continu chez eux, ou du moins limiter les résistances dont tu parles? Mais le fait de faire un flux qui n'est pas continu, c'est-à-dire parce que l'opposition au flux continu, c'est souvent un flux qui est... En fait, c'est une usine qui va fonctionner en département. C'est-à-dire que pour passer à travers trois étapes, exemple, le coupage, l'usinage puis la peinture, une pièce va être traitée en lot. Un type de pièce va être traité en lot. Exemple de 50 unités qui va passer de manière successive dans les trois départements. Ce que ça génère, ça, principalement, ça va générer... lorsque la palette va passer d'un département à l'autre, elle devrait être transportée, souvent par un cariste, donc un chariot élévateur, ou un gros chariot. Donc, c'est du transport. Hein? Vous vous souviendrez dans les 7 gaspillages, le transport. Il va y avoir aussi l'inventaire, hein? Parce que l'inventaire, ça correspond à la quantité de pièces qu'on va mettre de côté en attendant de les transférer vers l'étape subséquente. Okay. Donc, il va y avoir de l'inventaire. C'est là où est-ce que l'inventaire, j'entends souvent, quand je vais visiter des usines, je suis comme, j'ai de la job en masse, puis on se rend compte que plus loin, il y a quelqu'un qui est là, quand est-ce que je vais recevoir mes pièces? Est-ce que c'est ça que tu fais référence par rapport au surstockage ou à la surproduction? En fait, la surproduction, c'est aussi un gaspillage. C'est le plus insidieux de la gang. Parce que, malheureusement, comme humain, on a un réflexe des fois de vouloir prendre de l'avance. On a souvent une volonté aussi d'économiser les temps de setup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire en plus grande quantité ou plus rapidement que ce qui est réellement requis. Donc, quand on fait ça, on ne produit pas ce qui est réellement requis pour là. Donc, il y a des clients qui ont payé pour quelque chose qu'ils ne recevront pas aussi rapidement qu'ils auraient pu le recevoir. Mais il y a aussi le fait qu'on va produire en plus grande quantité. Cette grande quantité-là, on va devoir la manipuler, comme je disais tantôt, la transporter et aussi la mettre en inventaire. Le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'on aura besoin de cette... Oui, c'est ça, de l'inventaire, c'est du cash, c'est de l'espace. Mais le pire dans tout ça, c'est lorsqu'on va avoir besoin de cette pièce-là qu'on a produite d'avance. Il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. Première des choses, on risque de l'avoir perdue. Donc, ça va prendre du temps pour la chercher visuellement dans l'entrepôt où est-ce qu'elle est rendue. Peut-être que cette pièce-là va être rendue désuète. Peut-être qu'on va avoir changé le modèle. Ou peut-être même qu'en la transportant, en l'entreposant, on va l'avoir abîmée. Donc là, ça va devenir un défaut. Donc, la surproduction, c'est le pire des gaspillages. Et c'est ce qu'on vise à éliminer en partie, du moins, avec la mise en place de cellules puis de création de flux continu. Parce que qui dit flux continu dit une production unitaire selon le rythme auquel le client s'attend à recevoir des pièces. Donc, ça va réduire en même temps la surproduction. OK. Mettre en place un flux continu, là, on a essayé de mettre la hache au bon endroit, essayer de voir si on est prêt à ça, si on est prêt à l'implanter, mais c'est toujours la question. OK, good, on décide demain matin, yes, culture d'entreprise, amélioration continue, on décide qu'on change, notre façon de faire, on va avec le flux continu. C'est quoi les premières étapes, surtout ceux où il ne faut pas s'enfarger pour s'assurer que la transition se fasse bien puis qu'on perde pas en qualité, qu'on soit capable de continuer à une bonne capacité? C'est quoi les premières étapes que tu crois qui sont clés? En fait, il y a neuf principales étapes qui sont documentées pour générer, pour mettre en place une cellule de production. La première étape, qui est la plus fondamentale, la numéro un, c'est de déterminer qu'est-ce qui va être fabriqué dans nos cellules. C'est quoi la famille de produits qu'on veut faire dans nos cellules? C'est fondamental parce que c'est une famille de produits, c'est des produits
qui peuvent être différents, mais qui vont passer à travers les mêmes étapes de fabrication et qui partagent sensiblement le même temps de cycle sur ces étapes-là. Donc, c'est ce qui va permettre à la cellule d'être quand même fonctionnelle malgré le fait qu'elle va produire différents produits. C'est la première étape. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est, OK, c'est bien beau savoir que c'est cette famille-là, mais quel sera, à quel rythme que je dois produire? Tantôt, on parlait de surproduction. Mais si on veut pas surproduire, c'est quoi le rythme optimal auquel je dois régler ma cellule de production pour qu'elle produise juste au bon rythme? Donc, ça s'appelle de calculer le temps tac. Le temps tac. Ouais, ça, on entend ça souvent, le temps tac. Puis, je suppose que tout le monde voudrait que ce temps tac-là, comme tu dis, soit le meilleur puis qu'il soit le plus rapide possible, mais il faut l'adapter à sa situation. En fait, le temps tac, c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qui nous est dicté par le marché. C'est le rythme auquel le client s'attend à recevoir ses pièces. Donc, bien entendu, ce temps-là, c'est sur ce temps-là qu'on doit arrimer notre système manufacturier pour ne pas, comme je disais tantôt, faire de surproduction ou de générer des pénuries. Le temps tac, là, c'est quand même très simple à calculer. Là. On prend le temps disponible qu'on a dans une journée. C'est un quart de travail, c'est 8 heures de travail en général. Donc, on va soustraire de ces 8 heures-là une demi-heure de pause, donc 2 fois 15 minutes. Ça nous donne 7 heures et demie ou 450 minutes par jour. Okay. Disponible pour produire. À ça, ben, ce qu'on va dire, c'est que, exemple, si je dois produire 450 unités, si on veut faire un calcul mental simple, donc ça fait en sorte qu'à chaque minute, je dois produire une pièce. C'est ça le temps tac. Donc, le temps tac, dans ce cas-là, serait une minute. Je produis une pièce à chaque minute. Okay. Donc, si mon système manufacturier produit une pièce à chaque 30 secondes, ben, le client ne les achètera pas toutes, puis je vais générer de l'inventaire. Si je produis une pièce à chaque minute et demie, bien, le client va manquer de matériel. En fait, il va avoir des pénuries. Donc, c'est pour ça que c'est comme un peu notre boussole. C'est ce qui nous guide. Un coup que, David, on a défini c'est quoi le tag time. C'est quoi les étapes par la suite? Bien, un coup qu'on a défini le tag time, l'autre question à laquelle il faut répondre, c'est quelle est la meilleure séquence pour fabriquer la chose? Donc, là, ce qu'on fait dans ce temps-là, on va aller filmer les opérations. On aime beaucoup filmer les opérations. C'est moins dérangeant qu'à être 3-4 personnes qui regardent constamment. C'est communément appelé le stand and circle. Là. C'est ça, avec une caméra, c'est moins intimidant. Bien, en fait, il y a ça. Il y a le fait que parfois, les environnements de travail sont... en fait, c'est le fun d'avoir plusieurs cycles. Et où, dans l'exemple que je te mentionnais tantôt, là, quand il y a 400 heures de travail, ben c'est le fun de pouvoir faire fast forward pour certaines opérations qui prenaient, exemple, 3 heures. Donc, le fait d'avoir filmé nous permet là, d'avoir une étude plus facile du contenu de travail. Okay. Un coup qu'on l'a filmé puis qu'on se l'est approprié en tant qu'expert des méthodes, puis avec certaines personnes de la direction ou des superviseurs, par exemple, qu'on s'est fait une bonne tête, là, ce qu'on peut faire, c'est de faire venir les employés qui réalisent ce travail-là, puis de regarder ces opérations-là avec eux. OK. Puis avec eux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, OK, ben tu fais ça de telle manière, est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de le faire? Puis ça fonctionne bien, ça? Ça fonctionne bien quand vous asseyez avec les employés puis vous en discutez des façons de faire? Bien, totalement. C'est le seul moyen d'y arriver. C'est prouvé que de se baser seulement sur les experts externes pour trouver la meilleure méthode, c'est jamais bon. C'est bon d'avoir des gens qui vont arriver avec des principes, comme moi, comme ingénieur industriel, comme spécialiste ligne, des principes, mais de comment le réaliser sur le plancher, il n'y a rien de mieux, il n'y a personne de mieux placé que les employés qui font le travail quotidiennement pour identifier ces manières-là d'opérationnaliser les principes un peu plus théoriques avec lesquels on arrive. Donc, ça vient en même temps là, régler le 8e gaspillage qui est la créativité perdue des employés. Okay. Donc, vous gagnez beaucoup avec les employés parce que je suppose qu'ils vous disent les raisons du pourquoi ils font ces opérations-là. Là, ça permet avec la direction et avec l'employé de challenger à savoir si ça a, comme tu as dit, une valeur ajoutée. Est-ce que ça l'ajoute de la chaîne de valeur dont tu faisais référence au départ? Ouais, c'est super important de se rappeler hein, les trois critères pour déterminer si une opération est à valeur ajoutée ou non. Est-ce qu'il se passe de quoi physiquement?
est-ce que l'employé, le client est prêt à payer pour, puis si c'est bon du premier coup. Donc, juste en se posant cette question-là, puis en regardant les opérations qui sont faites par les employés eux-mêmes peuvent nous dire s'il s'agit d'un gaspillage ou d'une opération à valeur ajoutée. Puis si c'est un gaspillage, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éliminer ou le réduire au minimum? Tu semblais être un fervent du Daily Management System. Explique-nous pourquoi, justement, dans le One Piece Flow, ça devient un outil important. En fait, le Daily Management System, c'est primordial pour être capable d'assurer une bonne continuité dans les opérations. Parce que je fais souvent l'analogie de quelqu'un qui part en bateau sur l'océan. S'il attend 3-4 jours avant de monitorer sa position, il peut avoir dérivé beaucoup de son objectif avant de s'en rendre compte. Puis les efforts qu'il va devoir déployer pour revenir sur la bonne trajectoire vont être d'autant plus importants. Tandis que un Daily Management System, c'est une vérification régulière de l'état des lieux. Ce que ça a comme objectif, première des choses, c'est que ça va venir assurer un momentum, un beat à la cellule de production. Parce que on parlait tantôt de flux continu, c'est les cellules. Les cellules, c'est un regroupement de machines, mais c'est aussi un regroupement d'humains qui travaillent en équipe. Donc, cette équipe-là, on peut pas la mesurer individu par individu, il faut mesurer l'équipe au complet. Puis le moyen le plus efficace de mesurer l'équipe, c'est d'avoir ce qu'on appelle un tag board ou un tableau de suivi de la performance heure par heure, où est-ce qu'on va venir à chaque heure, par exemple, valider l'avancement des travaux par rapport à ce qui était souhaité. Puis mobiliser les employés par rapport aux statistiques journalières comme ça, c'est quoi les stratégies qui ont été gagnantes dans ton expérience que tu as fait? OK, good. Bien, à tous les jours, on va vous donner votre note de bulletin. Avant, c'était une fois, c'était quatre étapes à l'école. Maintenant, c'est à tous les jours, on regarde ce que vous avez fait. C'est quoi les idées pour mobiliser ces gens-là? En fait, c'est pas juste reprendre un peu ce que tu dis, c'est pas nous qui leur donnons la note, c'est eux qui nous apportent la note. Ah, c'est la distinction, OK. En fait, c'est eux qui vont monitorer ce qu'ils ont pu produire. Puis si on n'est pas capable de produire selon les standards, ben d'amener les raisons pour lesquelles. Puis souvent, il y a personne qui se lève le matin puis qui veut ne pas performer selon les standards. Tout le monde veut travailler en général puis ça va bien. Donc le fait de se challenger à chaque heure fait en sorte que s'il arrive quelque chose, c'est frais dans leur mémoire, ils peuvent le noter. Puis après ça, à la fin de la journée, on fait un bilan. Puis s'il y a des choses qui font en sorte qu'ils empêchent les employés ou qui sont des freins à la productivité, ben on peut les adresser en équipe de manière beaucoup plus pertinente et rapide que d'attendre à la fin du mois puis de se rendre compte qu'on n'est pas sur la cible puis qu'on ne sait pas trop pourquoi parce qu'on s'en souvient plus. OK, d'où ton exemple d'être en bateau vraiment pas au bon endroit, puis de pas avoir même vu venir les vents qui passaient de chaque côté. C'est ça ce que je comprends. C'est qu'il faut voir l'ensemble, mais aussi chaque jour, le quotidien de la performance pour qu'on puisse adapter la ligne de flot continue. Exact. OK, good, intéressant. Merci David, ça clarifie ce sujet-là qui des fois... On envoie des panneaux, on envoie des tableaux avec des chiffres. Puis là, c'est le fun de savoir que pour réussir avec les employés, c'est que c'est eux qui doivent inscrire le chiffre. C'est d'autant plus gratifiant quand tu es un employé qui veut travailler en équipe. Justement, parlant du travail d'équipe, tout le monde va dire que ça l'aide le travail d'équipe, mais comment, donne-moi des exemples concrets du travail d'équipe sur une ligne de flot continu pour avoir du succès. Mais la première chose, un coup qu'on a fait le fameux Paper Kaizen, on va se rendre compte de c'est quoi la meilleure séquence pour réaliser ou pour fabriquer la chose. Un coup qu'on a la meilleure séquence qui est optimisée, ce qu'il faut faire, c'est qu'on se dit, OK, j'ai exemple dans le cas que j'avais tantôt, par exemple, si je dois produire une chose à chaque minute, mais si j'ai 5 minutes de contenu de travail pour la fabriquer, pour savoir le nombre de personnes que je vais avoir besoin, je prends 5 minutes divisé par 1 minute, donc j'ai besoin de 5 personnes pour les fabriquer. Donc, comment je segmente ce temps-là pour savoir à chaque personne qui va faire quoi.
Bien, ça, c'est super, c'est fondamental parce que ça va déterminer l'aménagement de chacun de nos postes de travail dans la cellule. Donc, le poste numéro 1 va faire des opérations de telle étape à telle étape, et ainsi de suite. Il y a différentes manières, après ça, de segmenter le travail. Peut-être que pour bien balancer le travail, c'est pas possible d'y aller vraiment à la seconde près, de vraiment tout bien balancer. Et d'où l'importance d'avoir des gens polyvalents. Parce que dans certains cas, ce qu'on va préconiser, ça va être, exemple, d'avoir 6 postes de travail avec 5 personnes, puis les gens vont pouvoir se balancer comme ça sur un poste qui va être flottant. OK. Surtout pour les opérations. Fait que c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire d'arriver puis de voir un poste libre dans une entreprise qui travaille avec le flux continu. Non, en fait, c'est souvent ce qui nous permet d'avoir un balancement, en fait, une occupation du personnel plus proche du 100%. Parce qu'imaginez une ligne de production où est-ce que j'ai 5 personnes, 5 postes de travail, aucune capacité d'accumulation entre les postes de travail. Si une des personnes se voit, mettons, il y a un problème sur sa pièce et ne peut pas continuer, mais tout le reste de la cellule, les 4 autres personnes devront arrêter dans ce contexte-là, puis c'est pas souhaitable. Une cellule, c'est quoi? C'est un regroupement de machines ou de tables de travail ou d'opérations quelconques qui vont être capables de transformer en séquence, comme je disais tantôt, ininterrompue, la chose pour l'amener vers son état final désiré par le client. Souvent, réponse courte, on va vouloir mettre en place une cellule de production. Okay. C'est que c'est pas, il y a des gens qui vont penser que c'est linéaire, ça doit absolument être linéaire, mais là, c'est là où est-ce que les cellules rentrent en compte. Puis, comme c'est un réaménagement d'usine, toi, c'est par où tu commences, probablement. Donne-nous un exemple où est-ce que, je suis arrivé chez ce client-là. Première étape qu'on a fait, c'est ça. Puis, pour quelle raison? OK. Par exemple, on est rentré chez un client où il devait procéder à la fabrication d'une unité qui avait au-dessus de peut-être 450 heures hommes pour fabriquer cette unité-là. C'était tout fait au même endroit. C'était un poste de travail où l'employé devait assembler l'ensemble de tous les composants. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de transport vers le magasin pour aller chercher les composantes, beaucoup d'attentes parce qu'il devait attendre après le magasinier pour lui donner des pièces. Donc, ce qu'on a voulu faire, première des choses, on s'est posé la question, mais c'est quoi la première question qu'on veut mettre en place une cellule de production, c'est quoi la chose? Bien, dans ce cas-là, c'était évident, c'était l'unité qui devait être assemblée. La deuxième question, c'était, bien, à quel rythme on doit le produire? Donc, c'est ce qu'on appelle le fameux takt time. OK. Donc, à quel rythme? Est-ce qu'on doit produire une unité par semaine, une unité par jour, par deux jours? Donc, il faut déterminer ça. Puis toujours pour arriver à livrer au client à temps. Bien, c'est ça que j'ai compris. Pour savoir qu'est-ce que le client veut, comme vous allez pousser ça vers la commande du client. Bien, en fait, le temps TAC va nous dire à quel rythme on doit produire. Donc, est-ce qu'on doit produire une unité à chaque 2 heures, chaque heure? Puis c'est ça qui va nous guider tout au long de notre design, en fonction du nombre d'employés, par exemple, plus tard, on va le voir. OK. Mais quand on parle de flux continu, c'est important de faire la distinction entre 3 flux. Tu as le flux de la matière, tu as le flux d'information, tu as le flux des humains. Ces 3 flux-là doivent être pris en considération. Puis on doit tendre vers éviter les croisements dans ces flux-là quand on fait le design de la cellule. OK. Puis qu'est-ce que ça aurait comme impact d'avoir des croisements là-dedans? L'information ne se rend pas à la bonne personne ou au bon outil? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ça va générer des gaspillages puis de la confusion. Si jamais on a des flux qui se croisent, ben ça peut peut-être qu'on va avoir de la difficulté à bien approvisionner le secteur ou le dégager. On va avoir aussi peut-être certaines confusions dans l'information qui va être acheminée aux employés. Donc c'est pas idéal de croiser les flux. Quand on parle justement de qualité, David, c'est un gros problème. Si on continue, tu me disais tantôt, à toutes les minutes, on sort une pièce. Si on sort une pièce à toutes les minutes qui est de non-qualité, c'est quoi les trucs ou c'est quoi qui est mis en place pour empêcher ça? Justement, une heure passe, c'est 60 pièces qu'on doit retravailler.
Mm-hmm. C'est quoi ton opinion là-dessus? En fait, c'est la mise en place de cellules de production va souvent aider à améliorer la qualité de deux manières. La première manière, c'est que si, exemple, le premier poste, le poste numéro 1, par exemple, produit une pièce qui n'est pas conforme, puis que c'est perceptible au poste numéro 3, mais si je procède sous forme départementale en lot de production, exemple, de 100 pièces, donc ça va prendre 200-300 pièces avant que la personne qui est censée percevoir le problème s'en rende compte. Donc, je vais avoir fait beaucoup de pièces non conformes avant de m'en rendre compte. Dans une cellule de travail, je vais en avoir fait une ou deux ou trois, peut-être, le temps que la pièce se rende à l'individu, là, à la troisième personne. Donc, à ce niveau-là, la mise en place de cellules va aider à réduire la non-qualité. L'autre chose aussi, c'est qu'il va y avoir, dans une cellule de production, il y a l'aspect de travail d'équipe et de partage de bonnes pratiques. Les meilleurs partagent leurs trucs aux gens qui sont moins expérimentés. Puis ça fait en sorte qu'en général, l'équipe va avoir une meilleure performance au global, au point de vue qualité. OK. Puis quand c'est pas peu commun de voir un poste de travail, il y a trois personnes qui travaillent en même temps. Tantôt, tu me parlais d'une cellule en U. Peux-tu élaborer pourquoi on la met en U, cette cellule-là? Qu'est-ce que ça nous fait gagner à la fin? En fait, les cellules en U, là, il y a plusieurs raisons pourquoi qu'on veut faire ça en U. Première des choses, c'est que c'est rare qu'on va avoir mettons 150 pieds linéaires dans une usine où est-ce qu'on va pouvoir faire fitter plusieurs machines, plusieurs postes de travail, un à la suite de l'autre. La deuxième chose, c'est que si on veut avoir une cellule dans laquelle il va y avoir 5 postes puis 3 personnes qui y travaillent, bien, donc les gens doivent être à distance de marche quand même assez facile de chacun des postes. Le U offre cette opportunité-là, c'est-à-dire que les personnes du dernier poste peuvent avoir accès au premier poste juste en sortant de bord. L'autre élément qui est à ne pas négliger, c'est que souvent pour approvisionner une cellule de production et pour la dégager des produits finis, on doit avoir recours à des chariots élévateurs ou des chariots qui sont plus volumineux. Donc, les allées de circulation pour ces chariots-là sont plus larges. Puis ça peut être difficile là, quand on a une grande ligne d'avoir accès là à deux endroits loin un de l'autre pour dégager et approvisionner les cellules avec des chariots. Donc, ça veut dire que les réapprovisionnements, ils se font par derrière. Ça, c'est des réapprovisionnements en système Two-Bin Kanban, je suppose, que vous utilisez? En réalité, c'est ces deux choses-là. Je parlais d'approvisionner la cellule de production, donc le début et la fin de la cellule. Mais à chaque poste de travail, effectivement, ce qu'on préconise, c'est de réapprovisionner par le derrière du poste de travail. Pourquoi? Bien, c'est que, bien entendu, vous aurez deviné que si on réapprovisionne par le devant, on va venir interférer. Que tantôt, je parlais des flux, il ne fallait pas qu'ils se croisent. Mais on va venir interférer l'approvisionnement des pièces avec les opérations, ce qui n'est absolument pas souhaitable. L'autre argument qui est intéressant de réapprovisionner par le derrière du poste de travail, c'est qu'on va être capable, si on procède en Kanban, c'est ce qu'on recommande tout le temps, en two-bin system, mais c'est que la deuxième bin va venir se mettre derrière la bin qui est actuellement en cours d'utilisation, puis ça va faire vraiment un first-in, first-out beaucoup plus naturel. Tous les projets qu'on fait, on recommande l'utilisation de structures flexibles, de type FlexPipe pour bâtir les postes de travail. Parce que ça permet de faire des postes qui sont vraiment adaptés là, au contenu de travail qui doit être réalisé. Donc, si on a besoin de 2,5 pieds, c'est 2,5 pieds, c'est pas 5 pieds comme les postes qui sont souvent standards qu'on peut voir dans des catalogues. Mais aussi, ça permet aussi d'évoluer rapidement, de faire évoluer le poste en fonction de nouveaux produits ou de modifications qu'on veut y apporter. Parce que tantôt, tu le disais, tu sais, c'est important parce qu'à la fin de la journée, si on voit qu'il y a une récurrence dans pourquoi on n'atteint pas l'objectif puis qu'il y a des idées que vous êtes capable de solutionner rapidement, le modulaire devient intéressant là. Puis on en avait parlé la dernière fois en préparation à cette entrevue-là. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas d'intéressant au niveau de la maturité du produit. Quand on lance un nouveau produit versus un produit qui est mature, là-dessus, s'il vous plaît, en parler un peu et de m'éclairer là-dessus. Tantôt, tu le mentionnais, puis j'en parlais aussi par rapport à la qualité. Lorsqu'on veut mettre en place une cellule de production, ça prend un minimum de stabilité ou de maturité dans le produit. On ne peut pas avoir un produit sur deux qui va avoir des problèmes, des défauts.
qui va faire en sorte qu'on va devoir arrêter l'opération, puis faire dévier la pièce. Ça va venir vraiment créer le chaos dans notre cellule. Puis ça fait en sorte que ça peut pas fonctionner. Donc, un prérequis de base, là, ça prend une stabilité point de vue design, une stabilité point de vue qualité, puis une stabilité aussi point de vue approvisionnement. Parce que si jamais dans ma ligne de production, dans ma cellule de production, j'ai un poste qui n'a pas la composante pour continuer, ben l'unité est bloquée. On ne peut pas la faire continuer. Donc, ça génère des problèmes dans la cellule. C'est pour ça que pour avoir une cellule qui est pleinement fonctionnelle, ça prend quand même une certaine stabilité. En fait, Paper Kaizen, on va déterminer la séquence optimale. Tu sais, un coup qu'on a regardé toutes les opérations qui doivent être réalisées, qu'on s'assure que c'est vraiment optimal, mais du moins que c'est une excellente bonne version, première version, bien, on va vouloir organiser de manière linéaire chacun des postes qui sont requis pour exécuter ces tâches-là. Puis lorsqu'on fait ça, on se pose en même temps la question, est-ce qu'il n'y a pas du contenu de travail qu'on peut faire en sous-ensemble? Le but de sortir des sous-ensembles de la ligne de production, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler à plus qu'une personne sur l'unité. Parce que dans une cellule de production, il y a juste une personne qui travaille sur l'unité, c'est un poste, une personne par poste en général. Mais si on fait des sous-ensembles, on vient sortir du contenu de travail de la ligne de production. Donc, si, exemple, du, mettons, 20 minutes que ça me prend pour faire le total, j'en sors 5 dans un sous-ensemble. Donc, ça va à chaque 15 minutes, ça va prendre 15 minutes à l'unité pour passer à travers la cellule plutôt que 20. Donc, c'est quand même, on vient sauver du temps. L'autre élément aussi que ça amène de faire des subs, c'est qu'on peut spécialiser le travail. Ça, c'est un autre principe qui est important. C'est lorsqu'on vient spécialiser les postes de travail, on peut avoir un petit gabarit, on peut avoir un outil spécial qui va vraiment faire en sorte que le travail va être plus efficace pour faire spécifiquement cette pièce-là ou ce sous-ensemble-là. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de sortir les sous-ensembles des lignes. Mais par contre, lorsqu'on sort un sous-ensemble, on ne peut pas le mettre à l'autre bout de l'usine où est-ce que ça va prendre un peu de temps pour l'amener. On ne le met pas loin, on les met voisins, on fait quoi? Option 2, on le met voisin. Okay. On le met juste à côté, comme ça, la personne qui fait le sous-ensemble a juste à s'étirer et déposer le sous-ensemble, évidemment, puis bien le présenter pour la personne qui est dans la cellule. C'est super important quand on revoit le contenu de travail, de se poser la question même sur, OK, comment on présente les pièces? T'sais, si on veut que la personne travaille de manière efficace, là, on veut pas que la personne prenne la pièce, la manipule 4 fois pour bien la positionner pour l'assembler. Donc, lorsqu'on fait le design d'une cellule, lorsqu'on design des postes de travail, on se pose la question, bien, comment je présente les pièces pour les employés, pour les travailleurs? Est-ce que je la présente à plat, debout, couché? Pas jusque-là, à la présentation des pièces, c'est ça? Parce que... Totalement. Oui. Puis après ça, on se pose la question, est-ce que c'est possible de prendre une pièce dans chaque main pour les assembler après ça ensemble, comme ça? Plutôt que prendre une pièce là, puis une pièce là, puis passer les assembler. Donc, c'est vraiment, ça va jusque-là. Ça, c'est des trucs que vous voyez justement en installant les caméras, puis en voyant. Puis là, c'est quand on va above and beyond, puis on veut spécialiser après avoir eu justement quelques journées où est-ce qu'on a des troubles à un certain poste de travail, puis là, vous voulez aller plus loin pour accélérer. Ben, en fait, on se pose la question avec les employés tout le temps. Comment qu'on peut te présenter les pièces pour que ce soit le plus facile pour toi? Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de la journée, pour l'employé, il soit moins fatigué que dans la situation actuelle puis qu'il ait produit plus de pièces. C'est ça qu'on veut. OK. C'est ça. OK. Donc, le fait de manipuler la pièce 14 fois, de se pencher pour aller la chercher, de s'étirer pour prendre un outil, ça fait en sorte que l'employé, à la fin, il est plus fatigué puis il en sort pas plus. Donc, rapprochons tout ça. Faisons en sorte que ce soit plus facile pour l'employé de travailler. Faisons un bon design efficace de son poste de travail, ben ça va faire en sorte que ça va être plus facile, puis le throughput va être plus intéressant aussi. OK. Puis avec la flexibilité et la polyvalence dont tu parlais, l'ergonomie des postes de travail devient une valeur ajoutée pour le travail des opérateurs qui passent, comme tu disais, qui passent à aller aider à la station suivante. Quand ils arrivent là, si c'est standardisé, si c'est ergonomique, ça va le rendre. Ça va garder sa productivité à un. Ouais, totalement. Bien, c'est sûr que lorsqu'on design,
lorsqu'on désigne une cellule, ça veut dire qu'on désigne chacun des postes de travail. On s'assure que toutes les personnes, en fait, que d'avoir une certaine polyvalence au sein de la cellule. Ça c'est un autre des prérequis là, pour mettre en place une cellule de travail qui fonctionne bien. Ça veut dire que ça prend des employés qui sont polyvalents, qui sont capables d'exécuter plusieurs tâches dans la cellule. Ça, ça vient avec le commitment du leadership, la culture qui est impliquée. C'est d'où ça sort que les gens sont tout d'un coup polyvalents parce qu'on a un one-piece flow. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça a un succès, la polyvalence? Ben, en fait, la première chose à se poser comme question, c'est est-ce qu'on le mesure? T'sais? Parce que c'est très difficile d'améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, c'est de le rendre visuel, c'est de le mesurer. Puis c'est ensuite d'avoir peut-être des incentives, des incitatifs aux gens, aux personnes. C'est-à-dire que si une personne peut faire 3-4 postes de travail, puis l'autre en faire juste un, mais peut-être que ça prend des classes salariales qui sont différentes pour ces individus-là. Mais à la fin, ce qu'on veut, c'est pas de donner des primes, c'est qu'on veut que les gens soient le plus polyvalents possible. Parce que d'avoir des gens qui sont polyvalents dans une cellule de production, ça fait en sorte qu'on peut avoir une continuité dans les opérations. Ça va être beaucoup plus facile de balancer le travail. OK, comme tu disais, de pouvoir ajuster ce que le client tire. C'est toujours ça qu'il faut garder en tête, c'est d'ajuster le pack time en version de ce que les clients ont besoin pour ne pas surproduire. Exact. Ce qu'on veut, c'est de faire en sorte que chaque poste de travail soit ait un contenu de travail qui est environ 80% du tag time. Si on a un tag time de, exemple, 100 secondes, bien, on va vouloir avoir 80 secondes de charge de travail sur ce poste-là, de sorte qu'il va sortir une pièce quand ça va bien aller à chaque 80 secondes. Mais si jamais il y a une pièce qui prend un peu plus de temps parce qu'il y a un petit problème, ça mettra pas en péril la livraison au client. Si on veut avoir une bonne polyvalence des employés dans la cellule de fabrication, c'est aussi important de définir le travail standard. Okay. Parce que à la fin, un coup qu'on a tout bien défini, là, qui fait quoi, comment c'est organisé, comment que les pièces vont être acheminées, les entrées, les sorties, ben un coup qu'on a tout ça, ben il faut figer ça quelque part, il faut documenter ça quelque part. Puis dans l'ancien temps, ça se faisait avec des cartables. Qu'on retrouvait souvent sur les machines, sur les tables de travail, qui ramassaient la poussière et que personne ne regardait. Aujourd'hui, il y a plein d'outils technologiques qui permettent d'informatiser ces travails-là. On a bien la solution VKS là, chez Createch. C'est une solution qui permet en même temps non pas juste de présenter le contenu les instructions de travail, mais ça permet aussi d'assurer un certain suivi sur la cadence de production. Puis ça permet même de faire certaines mesures là, sur le plancher. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à faire évoluer dans le temps. Qu'est-ce que tu entends par plus facile à faire évoluer dans le temps? C'est parce qu'on a des datas qui proviennent de façon quotidienne ou c'est parce qu'on a des datas qui sont précis? Ben, imaginez-vous que vous avez une opération qu'on retrouve dans 3-4 cellules différentes sur le plancher. Si quelqu'un suggère une nouvelle méthode qui est plus efficace, ben, si je dois mettre à jour tous ces cartables-là, ben, je dois imprimer les feuilles, aller sur le plancher, les changer. Peut-être que les gens s'en rendront même pas compte lorsqu'ils sont rendus à cette étape-là qu'il faut qu'ils aillent valider que ça a changé. Tandis que si on met quelque chose de virtuel, qu'on pousse une nouvelle version de la méthode, puis que la personne, à chaque fois qu'elle fait l'étape, il y a un rappel qui lui vient visuellement, ben ça va être beaucoup plus facile de faire adhérer ces changements-là aux gens qui travaillent. Ben oui, c'est clair. Puis aussi, ça va être plus rapide dans la rapidité d'exécution. Comme tu disais, ça passe devant eux. Il faut qu'ils aillent dans le cahier pour le lire. Puis quand j'aime que tu dises que les gens vont proposer des solutions, mais si on l'applique seulement à un poste puis pas aux autres postes, ben là, la polyvalence devient un peu... ils s'en vont un peu n'importe où, ils ne savent pas trop ce qu'ils font, c'est quoi la nouvelle procédure, tandis que quand tu as un outil qui est stable, qui donne qui évolue à chaque semaine, ben, tu peux rapidement modifier ta façon de faire. Totalement. En fait, tu sais, vous, vous,
j'appelle les cinq principes du Lean. Le premier, c'est définir la valeur. Ensuite de ça, c'est cartographier la valeur, créer les flux continus, tirer sur la valeur. Puis le dernier, c'est viser la perfection. Donc, si on vise la perfection, on va faire évoluer notre système continuellement. Donc, il faut que le système soit facile à mettre à jour. Si mettre à jour une méthode prend plusieurs minutes, voire une heure ou deux, puis de physiquement aller à chacun des postes de travail changer des feuilles, c'est pas très flexible, agile comme système. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'agilité, puis en même temps, on s'entend que ça enlève un poids sur les épaules des superviseurs ou des gens qui sont dédiés à faire cette mise à jour-là, puis ils peuvent faire des trucs qui ont à valeur ajoutée sans avoir à imprimer et réimprimer des papiers. J'aime l'idée. En fait, ce qu'il faut retenir, là, c'est que pour avoir un système manufacturier performant, il faut que les machines soient les proches l'une des autres. Donc, il faut prendre le moins d'espace possible sur le plancher. Pourquoi? C'est parce que s'il y a de l'espace entre tes machines, ça veut dire que c'est du déplacement de la matière. Donc, en rapprochant les machines, on vient éliminer ou réduire de beaucoup le déplacement de tes machines, puis on vient éliminer aussi la possibilité de stocker. Donc, ça va forcer les gens à s'adapter, à trouver des solutions si jamais il y a des problèmes. On peut pas juste pelleter par en avant. Okay. Ce qu'on veut aussi, c'est de faire en sorte que dans les cellules, c'est important de se le rappeler, là. Lorsque deux personnes travaillent dos à dos par rapport à des plans de travail, bien, on doit avoir un minimum de 5 pieds de dégagement. Parce que ça, c'est 5 pieds de dégagement minimum pour avoir des gens qui travaillent dos à dos. Okay. On doit aussi avoir des outils bien positionnés pour que ce soit facile pour les employés de travailler. On ne veut pas avoir des outils qui soient dans les coffres ou des outils qui soient dans des tiroirs. On veut que ce soit visuellement facile. Donc, idéalement, de les suspendre, d'avoir une vision critique sur l'ergonomie des postes de travail. D'éviter d'avoir une visseuse qu'il faut que la personne prenne comme un fusil par le haut, comme ça, de préconiser des visseuses qui sont verticales lorsque c'est prescrit. On va vouloir aussi avoir, peut-être dans certains cas, des gabarits qui vont tenir la pièce pendant que l'employé va pouvoir travailler dessus. On va aussi peut-être vouloir mettre en place des actuateurs au pied pour faire certaines opérations, pour sauver du temps. Donc, tout ça, c'est des choses à réfléchir quand on met en place des cellules de production. C'est comme des petits hints qui peuvent faire la différence entre une cellule qui fonctionne pas pire puis un franc succès. Ah, ben c'est cool. En tout cas, on a couvert pas mal de matériel. Je suis bien content qu'on ait pu éclaircir des affaires qu'on entend trop souvent sans avoir un peu l'idée complète derrière ça. Il reste encore plein de matériel à couvrir pour le One Piece Flow, mais ça nous a donné un bon aperçu de où il faut mettre l'emphase puis surtout l'énergie qu'on va y associer. À la fin, là, le dernier mot là, que tu dirais, c'est un coup que c'est installé ça, puis que ça commence à rouler, là, c'est quoi les pièges à éviter, les plus grands pièges? Tu peux y aller d'une anecdote cocasse si t'en vois un. Mais c'est quoi les pièges à éviter? Dire, OK, good, c'est parti, puis après ça, on sait pas trop où on s'en va. C'est... À la fin, quand on met en place une cellule de production, c'est pas fini, c'est juste le début. C'est un changement souvent de culture. On passe d'une culture davantage individualiste où moi je fais ma job puis je passe à l'autre puis c'est rendu son problème, à une culture de collaboration puis de travail en équipe. Donc un des bons moyens, en fait le seul moyen que je vois pour être capable d'assurer cette transition-là de manière douce, c'est de mettre en place, comme je disais tantôt, un tag board, d'avoir en place un leadership dans la cellule, peut-être un chef d'équipe, du moins une présence qui assume un certain leadership pour mettre à jour le fameux tag board pour donner le rythme aux personnes qui vont travailler dans la cellule. Sinon, ça va être voué à pas un échec, mais ça va être très difficile à tirer le plein bénéfice. What doesn't get measured doesn't get done. Hein? Avec l'accent sur l'index, je pense que ça couvre, ça fait un peu le résumé de ce qu'on a. Ça prend du data pour s'améliorer et pour se rendre compte qu'on a de la place à l'amélioration. Ben, je te remercie, David.